Bonjour Clément. Bonjour. Ça va bien? Ça va, ça va. Bon, ben c'est le premier vol ensemble. Hein. Exactement. Et ben on va voir ce que ça donne, 6 mois d'arrêt. Catastrophe quoi. Ça devrait aller. Ah, ça on verra bien. Bon, on recommence tout au niveau de la mise en route. Alors j'avais noté le ramètre bien sûr. J'avais réglé tout ça. Siège volé. Alors, au ramètre noté, siège frein de parc. Il est serré, les volets sont rentrés. Symétrique, la réchauffe carbu, elle est bien touchée. La mixture, on la met en haut. Tout est off. Ok. L'avionique master en particulier, c'est la bonne. Les disjoncteurs, je les ai vérifiés tout à l'heure. L'autonomie, quand on a mis la batterie, ben on a le plein, normal, 63 litres en plus. Balise de détresse, elle est armée, anti-col, voilà, voilà, pompe électrique, on, donc, 3, ça suffira, un petit centimètre, les magnétos sont turbo, la batterie, ok, les pieds sur les freins, personne devant, il sera 44, 3, 2, 1, on a quitté, on a quitté la piste 08 sur, on repart vers le parking à Pavel. Donc c'est un Utah Sport. Un peu moins fort. Alors je sais pas pourquoi quand il n'y avait pas la radio c'était bien, et là maintenant, voilà, comme ça c'est mieux. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, le moteur chauffe, c'est parfait. Oui. Voilà. Donc fini pour la technique, les caméras fonctionnent, tout va bien. On continue, donc on board, on est à full, voilà. Donc 1200 tours, l'alternateur je l'avais mis, la charge elle est ok, l'avionique master, feu de navigation je les mets, gyro il est bon, alors là on est un petit peu, comme ça c'est mieux, voilà, et on est sur du 1012. C'était 1013. Voilà. Oui, c'est ça, plutôt. Voilà. Radionav, Pinel. Bon, toutes ces choses-là, je les mets pas. 1200, on va chercher 1500 pieds. Voilà. Parfait. Heading. Ceinture harnais. Attaché, l'altimètre de secours, il est bon. On est sur 7000, donc on va rester sur 7000 puisque on est en auto-info. C'est exactement la deuxième fois depuis que je suis à Logne, je suis en auto-info. L'heure est notée. Alors ça je l'avais marqué ici. 16h44 au ramètre 21. Et on est sur 118.6. Bonne information des Fox Coche novembre Alpha, la vie d'Aïman. Je roule le taxiway pour aller au point d'attente 26, je rappelle le prix en attente 26 heures. Je refais un petit essai de frein, voilà.
on a un petit bruit de fond permanent là. Tu parles dans le casque ou extérieur? Ouais, dans le casque. Enfin non, dans le casque, ouais. Non, moi j'entends rien. Non. C'est un léger sifflement. Ah ouais, effectivement. Ça joue un petit peu. C'est mieux là? Ouais. Bon bah il fait pas si mal que ça quand même. Ouais, ouais, il fait grand beau temps. Ouais. Normalement on devait reprendre, c'est-à-dire la semaine dernière, non pas la semaine dernière, il y a deux semaines. Oui, il y a deux semaines. Avec Pierre. Oui. Mais ça n'a pas été compliqué, on a posé des questions, on a écouté la tisse. VFR suspendu, 500 mètres sol. Ok, ouais. Bon ben bah, voilà, on arrête de discuter. Ah bah faut bien qu'il fasse mauvais de temps en temps. Hein. Ah ben bah, là... Ça te permet aujourd'hui d'avoir une bonne visibilité. Et voilà. Parce qu'il y a quelques semaines justement, on avait des mauvaises visibilités à cause de la pollution. Ah oui. Donc un bon coup de pluie, ça aide. Ça fait du bien, ouais. Ça nettoie tout. Bon, les freins. Fonctionne, il n'y a plus de doute, 1200 tours. Et on reprend la check. Voilà. Alors, ça je l'avais fait. Donc les essais moteurs, on est dans l'axe, le frein de parc est serré, le sélecteur d'essence est ouvert. La pression d'huile elle est bonne, la température elle est dans le vert aussi. Pression d'essence inop. Oui. Non. Ok, bon, pour inop. Les commandes sont tenues, les pieds sur les freins et on monte. À 1800 tours. Ah oui. Bon. C'est à cause du vent. D'accord. On s'entend la différence hein. Oui. Alors, 100 tours. Idem. 80, 100, 80. Oui. Et on réduit tout. 700, stable. Pas de détonation. Tours. Alors, frein de parc, il est maintenu, les contacts magnéto sont toujours sur Bose, batterie, alternateur sur ON, la charge, elle est toujours en plein milieu dans le verre. Réchauffe carbu, je l'ai poussé. Il faut bien le verrouiller. Oui, effectivement. Bien verrouillé, mixture toujours en haut. Sélecteur d'essence, il est ouvert, on s'en serait rendu compte, sinon je crois là. Oui. Autonomie, on est toujours sur 4, ça fait compte bien 60 litres oui. Sur 1 km à peine. Alors, 360. D'ailleurs, on est à combien là? 1012, 1213, donc c'est bien. Les commandes. Ok, ça va bien. Compensateur entre 3 et 4. Pompe sur ON, volet, un cran à gauche, vert. À droite, derrière, elle est bien verrouillée, la caméra, elle ne bouge toujours pas, les éjecteurs sont dans leur place normale, ceinture, je suis attaché, oui, moi aussi, vert, on est bien, et l'autre inopérant. Briefing décollage, donc,
On est sur la 26. On va chercher une sortie vers Echo. Donc on se met dans l'axe, on va chercher le damier, on monte 1500 pieds puisqu'on fait une sortie. Vitesse de rotation 54, montée initiale 70, montée normale 80 nœuds. Donc on est en auto-information, donc on va faire un message d'auto-information. Et on va être encore plus vigilant puisque là du coup on n'a pas de contrôle. Ouais, donc exactement. Je vois personne. Bon, mais tout à l'heure j'ai entendu qu'il s'annonçait. Oui. Enfin, bref. Et donc, briefing sécurité. Alors, en cas de panne avant rotation, on réduit tout, freinage adapté, on sort en bout de piste. Bon, on peut annoncer qu'on est sorti. En cas de panne. Fox, Golf Delta Papa, bonjour. Après la rotation aux pompes, on fait pour un roulage circuit en 0,8, adapté, on revient 26 dur. En 26 dur et on passe. On est au pont pour rouler pour la panne à 26 sur les ondes. En cas de panne majeure après la rotation, on rend la main, cherche 73,2, planer pour un atterrissage d'urgence, secteur avant. Mêlé. Évidemment. Ça, je ne sais pas si en réalité on a le temps de le dire, mais. Ouais, si t'as le temps. Si, oui. Quand même, ça dépend de la hauteur en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Les dangers, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux, mais il y en a quelques-uns, il semble quand même. Oui. Le courant d'air, il est doux. Il est légèrement de droite, à peine 10 nœuds. Oui. Comme prévu finalement. Donc voilà. Alors le but de la manœuvre, c'est donc de sortir, d'aller à Coulommiers, quelques exercices, revenir. Donc la verticale, telle que tu me l'expliquais tout à l'heure, puisque c'est de l'auto-info. Oui. Un ou deux tours de piste, enfin, on verra en fonction de l'heure. Il est quelle heure là? 5h05. Ouais. Pas de problème. On est bien parti pour. Très bien, ouais, je suis prêt. Rien moi à dire, aussi. Rien à particulier. Non, c'est tout nickel. Bon. Bonne info, le Fox Novembre Alpha, point d'attente 20 dur. Prêt au décollage, pas d'appareil en vue. Je pénètre sur la piste et je décolle. Hop. Et on fera un décollage à 55. Exact. On voit personne. Donc par habitude, je fais toujours comme s'il faisait chaud. Il n'y a pas de problème, ça tombe bien, il fait 20 degrés. Ah, voilà. On est sur la 26. On est loin. Hop là. 260. Oui. 262, ça aurait été mieux. Il se stabilise. Allez, un peu plus que 260. Non, il est un peu moins, lui. Il est complètement fatigué. Et il est à la masse, là. Oui. D'accord, ok. Donc on a dit qu'on décollait. Allez, on va faire une puissance sur frein. 2100, on lâche les pieds, talons au plancher. On a la pompe. Un volet. Badin actif, pas d'alarme. 45, 48. On cherche 70 nœuds. 70. Voilà, 263, c'est mieux. Est-ce que c'est bon de repartir? Ça m'étonne pas. Bon, j'ai volé la semaine dernière, ça a un peu remis dans le bien, mais j'étais passager. Ouais. 700 pieds. Plus de volet, pas de pompe. On vise le damier qui est là-bas. Ouais. Il est où le damier? Il est là-bas. Là-bas, au milieu des arbres. Ouais. Vu qu'on est en auto-info, tu peux faire un petit message radio. Lonia, Fox Novembre Alpha, montée initiale, on va en traversier. On est 82, c'est bien.
Ah, ça se cuit un peu quand même. Ouais. 13 de face là. Ah oui. C'est ça. 1200. Peut-être penser à virer un peu. Bon, 1400. Un petit peu plus que 1400 et un petit peu moins que 1500. Sympa. Voilà, comme ça c'est bien. On a 15 nœuds de travers gauche là. Alors hop, on va commencer à y songer un peu. Ouais. Sinon on va se retrouver de l'autre côté là-bas. C'est ça. Et tu peux refaire un nouveau message. Logne Fox novembre Alpha, fin de vent arrière pour une sortie écho dans 30 secondes. À 15 sorties. À 15 sorties, Fox novembre Alpha. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui a prévu d'arriver à 1200. Alors 2450 même normalement. Ouais, très bien. Voilà, et on observe. Donc 15 nœuds. 6, 8 degrés. Allez, 8 degrés. On a dit d'aller derrière du côté de Utella, j'allais dire d'Utella, non, de Utella, ouais. Aux abords d'Utella, on prend en plein est, je vais rechercher visuellement Coulommiers, et on fera une approche par le nord-nord-est, ouais, peu vertical. Près. Ah ben 80, c'était pas suffisant. Il y a la patate là. Ah oui. Ah, elle est normale là. Personne devant. Tiens, j'ai pas mis les... Alors justement, tiens, voilà. J'aurais fait de les mettre dès le début. Oui. Exactement, j'allais t'en parler. Avant de démarrer, j'ai dit froid y penser, évidemment. Okay. Fox Delta Papa, on s'aligne et on décolle en 26 durs. N'oublie pas ta radio. Ouais. Donc on a passé écho. Logne Fox novembre Alpha, 1500 pieds, on a passé écho. On s'oriente vers Coulommiers par Utella. Au revoir, à tout à l'heure. Donc on a dit 122, 205. Oui. Allez, lui par contre il le voit pas encore. Il est... Donc la base elle est pas à jour. Ouais, ça est mis à jour le 24 avril. 24 avril. Donc si... S'ils ont bien mis la nouvelle fréquence dans la base de données du 24, ça devrait être mis à jour. Donc là, du coup, c'est des machins un peu piégeux. Ouais. C'est malheureusement le problème quand ils décident de changer les fréquences hors du cycle ERAC. Ah oui. Le cycle aéronautique, c'est tous les 28 jours. Ouais. Donc les bases de données de GPS, c'est tous les 28 jours aussi. Donc quand ils changent en dehors des 28 jours, ben c'est pas dans les bases de données. Ouais. Faut attendre. C'est ça. Il faut pas se faire piéger. C'est pour ça que les NOTAM existent. Ouais.
Donc là, c'est relativement général, les changements de fréquence. Alors, il y a juste un peu de tout, quoi. C'est un peu partout. Dans l'est parisien, mais dans l'ouest aussi. Chartres et Dreux ont changé de fréquence aussi. D'accord. La fréquence sol a changé. Avant, c'était commun avec Lodz, c'était 122 de 125. Ouais. Maintenant, à Toussus, ils sont sur 122-130. D'accord. Donc, il y a des chances que Lodz fasse pareil. Il y a une super visibilité aujourd'hui. Oui, c'est bon ça. Donc, on voit bien Beau. Oui. J'y étais une fois, Beau, enfin avec Pierre, en fin de formation. Il y a un peu des séances comme ça à voler en attendant le brevet. Ah bah, il faut hésiter à y aller. C'est un terrain particulier, Beau. Oui, c'est original. Fréquenté à 75% par les ULM, donc qui ont des performances un peu différentes des avions. Et 4 pistes croisées, c'est intéressant. Avec un circuit assez bas. Oui. Qui est à 700 pieds sol, le circuit. Au lieu des 1000 habituels. Tout à fait. Alors j'en profite, tiens, pour faire un peu. Ah ben voilà, c'est où il est là-bas. Oui, on le voit. Voilà, ouais, exactement. J'avais jamais trop regardé, en général on part en AF, tu penses à autre chose. Mais là aujourd'hui on le voit bien grâce à la visie, mais d'habitude on le voit pas si bien. D'accord. Bon ben, c'est moins drôle. Hop, on va dézoomer pour voir s'il n'y avait pas quelques trafics dans le coin. Non, il n'y a pas grand monde. C'est relativement calme ce week-end. Ah mais il a fait beau samedi dernier, enfin samedi dimanche. Ouais. Hier un peu moins je crois. Non, hier aussi il a fait beau. Ouais. D'accord. Il y en a qui ont dû en profiter. Oui. C'est souvent par là que je commence à... Quand c'est papa en vente arrière, vous êtes... On a bien surveillé à droite et à gauche les sorties de Beau. D'accord. Et les retours par la droite. Oui, parce que là finalement dans cette configuration là on n'est pas sur le SIV donc on n'a pas de fréquence. On n'a pas de fréquence commune en tout cas. C'est ça. 122-205. À la rigueur on pourrait commencer à monitorer le... Ouais, même la bête en active, parce que l'OIT ne sert plus à rien maintenant. Ouais. Et garde bien 1500 pieds. Ah oui. On sent bien les efforts là. Passe un truc. Ouais. Les pneus, ah bah, ça se sent sur les gouvernes. Alors, donc, le 1450. Voilà, le terrain, il est bien là-bas. On va faire une vente arrière très très lointaine. On voit bien, mais on le perd bien aussi. Oui. Tiens, là, il y a un peu une espèce de manoir, là, j'avais jamais vu celui-là. Oui. Il y a un espèce de feu aussi, devant. Oui. Ah. Donc, UTLA est quelque part devant, là, il y a l'espèce de relais qu'on voit bien, là. Je crois c'est quoi, UTLA ? C'est un point de navigation, IFR. Ah oui, d'accord. Il est bien référencé là-dedans, c'est pratique des fois. Il y a une espèce de truc de pompage de pétrole, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, il est là, on est en train de le passer, il était là. En train de le passer, d'accord. Oui. Ok, alors le terrain il est là. Oui. À droite, personne.
éoliennes là-bas au loin. Je ne sais plus où c'est. Ah, ben là-bas par contre c'est vers Château-Thierry. Oui, là-bas c'est Château-Thierry. Là on a Jouarre, Ferté-sous-Jouarre. Oui. Signé, là c'est un petit village où il y a de la maintenance hélicoptère. En dessous là Pas le, ce qui brûle, mais un peu plus loin, il y a des gros hangars blancs et c'est une société d'entretien d'hélico. D'accord. Donc des fois ça peut surprendre, tu peux avoir un hélico qui surgit de nulle part. C'est les hangars blancs qu'on voit à gauche. En dessous là, ouais. Ouais. D'accord. Ah, ok, effectivement. Ça peut être bon de le savoir. Donc le terrain, alors il est juste là, on est au nord-nord-est. Ok, visuel. Coulonnier du Fox Golf Novembre, Novembre Alpha, bonjour. Coulonnier Fox Novembre Alpha, BR400, nous sommes à 3 nautiques nord-nord-est des installations. Nous arrivons donc par le nord-nord-est pour une reconnaissance terrain, intégration pour un tour de piste ou deux. Actuellement, 1500 pieds, on va monter, 2000. Donc, alors, ah oui, c'est... Là, je ne le voyais plus, mais je vois les espèces de trucs au sol, là. Oui. Donc on a le village là-bas, on a les deux fermes ici, le tour de piste qui s'inscrit ici. Oui. Donc je vais grimper comme ça, et après on aborde par là, on sera hors des circuits. Pas de problème. Allez hop, on monte 500 pieds, j'ai vu personne. Non, c'est très calme. Nœuds, ça sera mieux. J'ai l'impression qu'il a du mal à monter, tu sais. Oh, il est plein de carburant. Ouais, ah bah dis donc, pour 1960. Va pas lui en demander trop, le pauvre vieux. Eh ben voilà, ça y est, on y est. Coulonnier, Fox Novembre Alpha, nous sommes un peu petit nautique nord-nord-est par l'est du terrain, nous approchons pour une verticale, 2000 pieds. Alors, la manche à air, elle est à l'entrée ici, là. Oui. C'est bien de savoir où elle est, c'est mieux de la voir. Ça aide. J'ai vu tout à l'heure, j'avais regardé, je ne savais pas où il y en avait une deuxième, elle est derrière là-bas, mais alors ici. Près du hangar jaune, Mickey. D'accord. Garde bien 2000 pieds. Eh oui. Bon alors à partir de maintenant, je vais me mettre à 2000 tours, ça sert à rien d'arriver comme une fusée. Oui. Ah si, ça y est, je l'ai trouvé. Lyon, elle est juste en bordure oui. De béton et herbe. Ok, donc il n'y a pas de doute, on est bien comme à Lognien. 2000 tours, 2000 pieds, oh, c'est bien ça. Coulonnier du Fox Novembre Alpha, nous sommes seuil 27 à 2000 pieds, donc pour la reconnaissance. Nous allons nous intégrer en tour de piste, main droite sur la 27 pour un toucher. On voit bien le bord, on les repère, c'est bien. Donc tu veux prendre laquelle, plutôt la dure ou plutôt l'herbe ? Oh, la dure là. La dure, d'accord. Après juste, oh, dis donc. On fera un toucher dur à l'ogne, un toucher.
faire sans doute. Ouais. Donc là j'ai m'éloigné un tout petit peu pour revenir, tiens, je vais viser le champ en jaune là-bas. Ouais. Pour mettre sur la base, comme ça j'aurai une bonne vue sur la forme sur l'avant arrière. Ouais. Pour avoir une bonne vue sur le circuit de piste. Sympa. Coulommiers, Fox November Alpha, on est 2000 pieds en descent, 1200 pour s'intégrer, début de vent arrière, main droite pour un toucher sur la 27. Allez hop, on réduit. Je vais même m'éloigner un peu. Encore. Alors, donc on a la maison ici. Bizarre ça, 900 pieds, les oreillettes sifflent pas. Bon, c'est bien. C'est étonnant ça. Parce qu'en général, dès qu'on passe les 600 ou 700, ça commence à te dire t'es un petit peu rapide. Ah, ça dépend de chacun. Ah ouais, non, moi je l'avais déjà remarqué ça, et finalement, ah, si, il se passe un petit truc léger sur la gauche. Ça va pas être compliqué, 09. Ah si, ça y est, il commence à venir. Ça va étonner aussi. 1380. Coulommiers, Fox November Alpha, nous sommes 1200 pieds, début de vent arrière. Pour un toucher sur la 27, dur. Hein. Voilà. Donc, on met la pompe. On est bien dessous les 92 nœuds. Un cran de volée, gauche vers droite. Un poil près. Oui. C'est normal, le vent du nord te ramène. Effectivement, donc on a des nœuds là. Là, il vibre, je trouve, la moteur. Oui. Alors, on a les machins, on passe derrière, à droite. Très bien. Donc, entre les deux, plutôt. Coulommiers, Fox November Alpha, je passe en base main droite sur la 27 pour un toucher sur la dure. Le terrain il est là, ok. 1500, 80 nœuds. Donc là il nous pousse, on a dans les fesses, donc il va falloir anticiper un peu la sortie. Un peu, mais pas trop. Deux crans tout de suite, deux crans de volée, pompe, réchauffe. Ouais. Et du coup, tu as réduit ton virage. Ouais. Bon, c'est bien comme ça, j'ai tendance à mettre face au vent. Et le vent, il est où là? Ah oui. Oh, il est quasi nul. 67, c'est bien. On rattrape l'axe. Pas de vent au sol, 66. Ah,
un petit peu de surprise. Ouais. C'est reparti. Talon plancher, un pot, 56. Bon, alors je propose un petit deuxième. Ouais. J'ai pas compris pourquoi j'ai été surpris. Pas de grand chose, mais... Colomiers, Fox Novembre Alpha, montée initiale. On se remet dans le circuit pour un deuxième tour en poussée 27 droite. Enfin 27, main droite sur la dure. Hop, et le moteur il est en panne. Et le moteur il est en panne, donc on cherche, donc on vérifie. Ou à cette hauteur là on n'a pas le temps de faire des vérifications. Ouais. Donc on va chercher un atterrissage d'urgence sur l'avant. D'accord. On se met comme ça, on est perpendiculaire à des choses. Ouais, non, ça devrait aller. Tu te mets dans lequel du coup, le vert? Le vert, il okay, est là ça comme va. Ça. Je suis d'accord. Hop. Allez, remise des gaz. Remise des gaz. L'assiette. Alors, on la réchauffe déjà. Ah oui, la réchauffe. Avant les volets. Voilà. La réchauffe, on a la puissance, toute la puissance. On maintient. Un cran de volet. 79, c'est bien, hop là, parfait. On remonte, le village est à droite, oui, quand même, Coulombier, Fox Novembre Alpha, on s'insère un début de vent arrière. Et 800 pieds en monte à 1200 pieds. Très bien, et on prendra l'herbe ce coup-ci. La 27 droite. 27 droite. Ok, ah ben. Alors. La deuxième, elle est là-bas, donc on va là-bas. Donc la 27 droite, ben en fait, elle est juste parallèle, c'est oui. Comme la 27, enfin, c'est comme la centrale, quoi, finalement. Oui, c'est ça. 1200. Alors tu me diras, j'allais dire non, ça sert à rien d'enlever puisqu'on est dedans là. Voilà. Donc 1200 pieds. On est à la bonne distance. Quoique non, mais non, puisqu'on est sur la 27 droite. Coulombier, Fox Novembre Alpha, milieu de vent arrière. Ce sera pour un toucher sur la 27 droite gazonnée donc. Voilà, on a configuré la pompe, le volet, 80 nœuds, c'est bien. D'ailleurs 92 là j'étais pas loin là. Eh oui, j'ai failli te dire quelque chose. Ouais. Donc alors je regarde. D'accord, je vois le seuil. Donc en fait on vise ouais, 50, 30 mètres à gauche, à droite. Remarque, si on arrive sur l'œil, on peut faire un encadrement sur l'œil. Oui, si tu veux. Comme ça évitera de remonter ici. Comme tu préfères. Ah oui, parce que je vois qu'il est quand même 20 là. Coulombier, Fox Novembre Alpha, je vous passe en base, main droite pour un toucher sur la 27. Qui est là-bas, d'accord. Ah, là 700 pieds, comment ça veut dire. De droite. Personne. Coulombier, Fox Novembre Alpha en finale 27 gazonnée à droite. Donc on a des trucs bizarres sur l'herbe, enfin des rayures, deux crampons, réchauffe,
73,9 rapide. Petit palier. Donc en fait le seuil il est après le machin en bitume qu'on voit. D'accord. 66. Mais tu peux viser le seuil, le truc en bitume pour essayer de toucher au tout début de la piste. C'est ce que j'allais dire, on va essayer de faire un truc un peu précis. Ouais. Hop là, c'est reparti, tu peux y aller. C'est reparti. Oui. Vas-y. Et soulage-le. Voilà, vas-y, 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 encore, vas-y, vas-y, soulage. Voilà. Allez. Petit palier. Accélération. Voilà, très bien. 60. Et reste dans l'axe quand même, parce que t'es au-dessus des balises. Voilà, 69. 70, montée initiale. Il a quand même fallu que je trime parce que sinon j'avais du mal à le tirer. Ah bah oui, c'est pas évident. Ouais. Coulommiers, Fox November Alpha, montée initiale dans l'axe 27 gazonné. Droite, nous nous dirigeons vers le secteur ouest, retour à l'autre. Donc là c'était bien précis, je dirais même un poil tôt. Oui, c'est ça, exactement. Là, c'était bien. À la fin, ça, j'ai un peu trop perdu de vitesse, je l'ai pas assez bien réglé. Oui, et t'étais pas tout à fait dans l'axe de la piste. Ah, d'accord. T'es porté sur ta gauche. Ah oui, d'accord, j'étais pas au centre. Oui, c'est ça. C'est là où finalement on se rend compte que quand on sait bien où sont les marques, ça aide bien quand même. Exactement. Donc 70 nœuds. On est à combien de 900 pieds. On va montrer les volets. Plus de volets, plus de pompe. La sortie, elle est là-bas. Oui. Ah, bon, c'est celui-là, là, le golf. Là. Oui, c'est ça. Voilà. Donc en fait, il a dû me repousser sur l'axe. Et bon, on va rester à 1200. Oui, pas de problème. Coulommiers, Fox November Alpha, sur le golfe, sortie ouest. Quittons la fréquence, au revoir. Hop, pardon, excuse-moi, je règle un bord en même temps. Hop, voilà, tu as l'ogne. Et le Fox Delta Papa Nord final 26 du en aviol sur le trafic au décollage, on rappelle en cours. Donc on a le loin en dessous je crois, alors il y a le petit loin et le mort. Il y a le mort. Ouais. Alors le loin, dans le loin c'est beaucoup plus bas. Ouais. 1300. Oui. Moret sur loin. Moret sur loin, c'est carrément là-bas. Là c'est le petit mort, il y a le petit et le grand mort. Et en dessous, alors non, Morin, c'est là-bas, je crois, la vallée du Petit Morin. Je ne me rappelle pas plus comment dire. Ça s'appelle en dessous, là, on a déjà fait de la randonnée, là, c'est sympa. La carte, elle te donne que la Marne. Ah. Alors j'ai trouvé quelque chose qui devrait être l'autoroute, là. 118,6. C'est moins top de ce côté-là. Oui, forcément face au soleil. Ah. Delta Papa en très courte, 26 du rond touche. On a quand même des reliefs ici. Hein. Ah bah un petit peu. L'eau est toujours dans la vallée. Eh oui. Ok, Villeneuve le compte, il est là. Eco Victor arrivé par le sud actuellement au point écran de santé. Ce sera pour les verticales respirants pour ensuite se reporter dans le quartier en délai devant arrière. Donc
tu vas faire un complet ou un toucher d'abord et après un complet? Un toucher, enfin, alors non, je propose, enfin, alors puisqu'on est à 1500, ouais. Donc on peut faire un encadrement à ce moment-là, ouais. Si c'est possible, ouais. On commence par lui, ouais. Ensuite on fait au moins deux touchés peut-être, ouais, derrière. D'accord, c'est comme et tu veux. Très bien. Donc on va arriver 1200 pieds éco, on prendra 1500 pieds vers radical, on se présentera face au nord, et on débutera un encadrement pour la 26. Alors attends comme ça, vertical, on se présente face au nord, ouais, c'est ça. Delta Papa, on est en traversier 26. Logna du Fox Golf Novembre Alpha, nous sommes de retour de Logna 3, 2 minutes de Echo, nous rappelons Echo. Echo Victor actuellement en vertical terrain, 1500 pieds, je m'en reporterai en début de vent arrière, 1200 pieds, je rappellerai son roi. C'est une 17 nœuds. Oui, 7 nœuds de travers. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même là. Une fois que j'ai Tango, on passe les hautes tensions vers Echo, 1500 pieds. Quelqu'un dans l'autre sens. Et Delta Papa, on est en début de 20h, 26 sur un complet. Comme novembre, Alpha, nous sommes 1200 pieds, retour à 1 minute de Echo. Ah oui, je le vois, l'autre. Tu vois la tour Montparnasse? Ouais. À peu près, allez, 3-4 cm à gauche et au-dessus de la ligne d'horizon. Ah, ça y est, visuel, ouais. Voilà. Novembre Alpha, non, visuel sur l'appareil qui quitte Logne. Foxy Tango, vertical écho, 1500 pieds, pas de visuel sur l'arrivée. Nous sommes 1200, on commence à arriver sur la zone où il y a les toits plats, les grands toits plats. Pas de visuel, Foxy Tango, merci. Bon, donc du coup, là, ça sert à rien de ralentir. Non, ça sert à rien. Éco Victor, en début de vent traversier, ça sera pour un complet sur la piste 08 je rappellerai en bas. 300 pieds, ça fait pas si loin que ça. Ah non, c'est un petit peu. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Alors, à mon avis, tu prends la 26. Oui, la 26, ça. Ah, donc on est sur Éco, ah, ça y est visuel sur le terrain. Voilà. Donc on va faire la virée. Logne du Fox Novembre Alpha, nous sommes vertical Éco, donc nous montons, nous allons monter 1500 pieds. Pour une verticale terrain. Donc d'abord on vire. Ouais, très bien. On voit personne. Allez, là, une fois que j'ai le tango en sortie, on cherche même un peu de sud. On sortie, on quitte la fréquence, etc. Bah, à peu près par là, c'est voilà. Pas mal. Et là, on monte. Et maintenant on grimpe. Et il y a un appareil voilà. En fin de vent arrière. Tu vois pourquoi je te disais, d'où l'importance de partir plus au sud et de monter rapidement. Donc on va voir s'il fait un toucher. Et il ne devrait pas nous gêner. Et il y en a un autre qui est en début de vent arrière. Tu vois la défense ça veut pas en ouais. 26, bah, 2 cm à gauche sous la ligne d'horizon. Du coup. D'accord. Hop là, 1500. Donc on cherche la verticale. Voilà, par là, tu peux le prendre légèrement décalé par la gauche. Comme ça, ça te permet de bien arriver d'accord. Face au nord. D'accord. Et donc je te reprendrai à la radio. D'accord. Donc tu peux garder de la vitesse, c'est pas gênant. Ouais, vu que c'est un encadrement, c'est pas gênant. Comme ça permettra de ne pas gêner celui d'accord. Qui est en finale.
Alors, et notre collègue de Cessna en vente arrière, je l'ai perdu de vue. Ah non, c'est plus dur. Dans le milieu de vente arrière, bah, il m'a semblé voir un truc, mais non. C'est possible hein, qu'il soit à peu près, il doit être à peu près en milieu de vente arrière. Là, le voilà, il est dans nos 3 heures. Ah, ça y est, visuel, voilà. Donc lui, il est en finale, on ne devrait pas le gêner. Il n'y a personne hein, à l'ouest, au sud. Non, parfait. Donc, Alpha, on arrive vertical installation, cap senti, on va découper un encadrement face au nord, visuel sur le Cessna qui va tourner en bas. Voilà, donc on prend notre temps tranquillement. Ouais. Comme ça, on pourra passer derrière le Cessna. Là, il est en fin de vente arrière. Je te propose de faire un 360 de retard. Par la gauche, par la droite. Par la droite. Par la droite, au-dessus, il y a des maisons. En gardant 15 senti, comme ça tente. Là, il ira passer, merci, bonjour. Information Rapaz 26 à l'hélicoptère Fennec, on arrive bientôt au Mont Est pour être en 8500 pieds sur l'autoroute. Là, je prends mes repères. Enfin, vous étiez à Papa, piste est dégagée. Il garde 1500 pieds. Ouais, c'est dur dégagé. Fox, dans Valsa, on fait un 360 de retardement vertical à 1500 pieds à la suite de un encadrement en 26 dur. C'est quoi, Victor, en finale par la piste 26 gazonnée, ce sera pas complet. Tu peux tourner. Fox Delta, roulage pour aller au parking Aerofly. Il y a 9 ans près, Tango 2 pour Delta Papa. Très bien, et on voit le Fennec qui arrive de Mont-Est. Voilà, lui on le gênera pas. D'accord. Vas-y, tu peux continuer. Tu peux tout réduire. Alors on a la pompe, ben, j'ai pas encore mis les volets, c'est normal. Heureusement. Ben oui. Hein. Voilà. Donc on est 1500 pieds, donc ça va être un peu plus court. Okay. Alors vitesse de planée 73. Voilà. Voilà, 73. Donc le vent du nord, c'est normal. 14-2 de vent du nord, ça va être donc assez sévère. On est en passe sous l'hélico. Voilà, c'est pas gênant. Voilà. Alors, on peut même se mettre sur la gazonnée pour libérer le... Non, il n'est pas dit qu'il était prêt, il donc tu peux prêt. Prendre la dure. On est à 800 pieds. Maintenant, Alpha, on va se rapprocher 26 du haut par en bas de rapprocher 26 du rond touché en remontée. Donc là, je vais mettre deux crans tout de suite. Ok, vu qu'il y a le vent du nord, c'est une bonne idée. Et virage à droite pour pas overshooter l'axe en maintenant bien T70. Et je vais overshooter quand même. Oui, c'est normal. Voilà. Piste 26, continue de descendre, dégagé. Vas-y, n'hésite et pas. 68. Voilà, parfait, laisse descendre encore. Voilà. Voilà, tu peux y aller, plein gaz, ok, talon plancher, 56, on décolle. Parfait. Allez, vas-y, accélère. Oui. Voilà. Parfait. Et je m'occupe de la radio encore. D'accord, merci. Donc là, pour gazonner là. Oui, mais un petit peu de pied à droite, ça montera mieux. Ah ouais, dis donc, j'ai pas vu qu'il était ici. Maintenant, Alpha, on monte une telle incision, on rappelle en vente arrière pour la gazonne. 500 pieds, eh ben dis donc. Ah, ça monte moins vite. Hein. Et du coup, ce sera un 100 volets pour la gazonner. D'accord. 700 pieds, encore un tout petit peu quand même. Ouais. Oui, on les voit bien les arbres. Ouais. 270, ouais, je compense avec le vent.
Rapazen, c'est comme terminé, compliqué, c'est 15 vers l'est, plus de longue au revoir. Plus de volets, plus de pont. Pas de réchauffe. Et le damier, il est... Alors, moi je préfère regarder les arbres. Tu vois, c'est, la, c'est le seul endroit où tu as de la forêt pour rejoindre l'autoroute. Ouais, c'est ça. Mais il est plus facile à voir que le damier. Le damier est à droite, tu vas pas le voir là. En général, je sais que je suis bon quand je suis à côté de ces maisons là et je suis là. Ouais, quand tu dis sur les voilà. Exactement. On est sur du 330 du 3 de mémoire. Écoute. Donc on cherche 1200. Ah, il est là le damier. En dessous. Hop, dommage, là, sous l'aile. Ouais. Et tu peux tourner en anticipation. Et il y a un accident sur la 4. C'est classique. 1200. 80 nœuds. Bonne information du Fox Golf Alpha Victor novembre. Chauffe. La pompe. Bonne information du Fox Golf Alpha Victor novembre. La vitesse. Nous sommes, Non, c'est cassé ça. Ah oui, c'est vrai que t'as dit que c'était cassé. On va attendre 26. 26 dur, nous alignons et nous décollons. Eh, c'est vrai, novembre alpha il est si vieux. Pourquoi? Parce que c'est cassé. Ah ouais, bah oui, bien sûr. C'est surtout. Les avions tombent souvent en panne quand il y a des instructeurs à bord. Ah oui, c'est vrai. Donc ça. Je pense qu'il faut interdire les instructeurs. Ah non, je suis pas d'accord. Surtout quand on reprend. Ouais, c'est tellement plus drôle. Bon, alors. Donc ça va être plus difficile de réguler la vitesse. Hein. Exactement. Alors on est fin de vente arrière. Allez, 15 nœuds à nouveau. Hein. Finalement, pour une fois, c'est plus dur qu'enfin. Vous voyez, 10 nœuds, 2000 pieds, là c'est plus. Oui, c'est rare que ça soit plus. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà commencé à réduire la vitesse. Si je fais plus de 82 maintenant, tout à l'heure, je sais pas ce que ça va donner. Voilà, exactement. Bien pensé, tu peux déjà prendre ta vitesse d'approche dès l'avant arrière, vu que tu es déjà configuré. Garde tes 1200 pieds comme ça, ouais. L'avion pourra réduire en vitesse. Parfait. Alors on vient de passer dessus là. Oui. Donc là je suis sur du 70, on va essayer de ne pas les perdre. Oui. On va faire en base 026 gaz au pied pour approcher. Ok. Face au soleil, c'est pas mal non plus. Oui. Ok, vu. Voilà.
Là, une information du Fox Golf à Saint-Victor Novembre. Nous allons faire une verticale terrain en direction de Cap 95. Altitude de 1500 pieds QNH. 62, 58. Parfait. Tu peux y aller. On va voir 65 du Fox Alpha. 55. Alors, petit palier pour l'accélérer. Avec du pied à droite toujours pour la symétrie. J'en ai rarement vu autant de dérives. Ah bah, le plan de la droite ne t'aide pas. Mais pourtant, il n'est pas si puissant que ça. Le moteur, non. Non, mais le vent non plus. Le moteur, ouais. Alors, attends, voilà, comme ça, c'est mieux. Docteur Alpha en montée d'Italie 26-15, mais on rappelle le vent arrière. On fera un complet. Ouais. Alors, 640 pieds. C'était pas mal dans l'ensemble, c'est juste sur la fin, tu t'es fait avoir à passer un peu haut sur le plan. Tu aurais dû continuer à viser le début de piste pour essayer de toucher les chevrons. D'accord. Plutôt que de viser les chevrons. Oui, c'est vrai qu'après, je me suis pas fixé une limite en disant je vais toucher là. On est tranquille, on est sur l'herbe, on y va, on est sur. Alors, on est 800 pieds, plus de pont, plus de volets. Ah, et là, tout remarche. Tout va bien. Sauf ça. Sauf quoi? Ah ouais. Comment t'as fait ça? Bah, on tire un breaker. Ah bah oui, d'accord. Bon, ah bah c'est bien, ça sert plus à rien. Ah bah, mais j'ai des secours moi. Ah bah bien sûr. C'est pour ça que c'est là. Alors l'altimètre il est là. Ah, ça fait bizarre d'avoir un écran noir. Oui. 150, on est bien hein. Alpha en vent arrière, dur point, on rappellera en base. Centre, un cran de volet, la pompe, la réchauffe, volet. Parfait, prends un tout petit peu à gauche pour pas dériver. Ah bah oui, par contre là du coup on n'a plus de directionnel. Non, tu n'as plus de directionnel, mais tu as un bon truc pas magnétique pour t'aider. Oh ouais, tout à l'heure on a vu qu'il était un peu fatigué quand même. Oui, c'est jamais très précis. Oh ben là il était à quoi, il y avait 20 degrés quasiment. J'ai une information du Fox Golf Alpha Victor Novembre pour quitter la fréquence. Bon vol. Merci. Et on est sorti par l'est 3 minutes, écho 1500 pieds QNH, c'est tout. 150 200. Finalement tout n'allait pas si bien que ça. Au niveau de l'avion. Ah bah moi, on est content. Moi je te dis le nombre de pannes est corrélé avec la présence de l'instructeur. C'est clair. Sachant qu'à la base dans la formation j'avais choisi Novembre Alpha parce qu'à l'époque c'était le seul en aiguille. Ah. Donc je retourne mes petites aiguilles. C'est ça. Donc du coup on n'a plus de directionnel, on n'a plus de vario. Non. On a l'horizon, enfin l'horizon à l'arrivée en tout cas. Oui, l'horizon tu l'as dehors. Ouais, j'avais regardé lui en fait. si on va jouer. Oui. Donc on a dit la 27, la 26 dure. Hein. Oui. Allez, hop. Je vois personne toujours. Non, c'est tout bon. Dans le phare, on vire en base 26 dure point complet.
deux crans de volée, on est dans l'axe, plus dans l'axe, passant, mais dans l'axe, un peu à droite, 140, 900 pieds, donc là on est un peu haut, 900 pieds c'était là. Oui. Je réduis. Et là c'est bon. Alpha en finale 26 dur point complet, on rappelle rapide de dégagement. Et maintenant on est un peu plus. Fox Echo, Lucas Michel, Café, bonjour. Donc on a mis deux grands Tiger. Fox Echo, Finder 402, passe la barre au parcours de l'aigle, on roule et on rappelle prix au printemps de piste 26 dur. Y'a plus de papier ou quoi? Non, jamais quand c'est en non contrôlé. Ah bah oui, c'est vrai. Pour des découragé de faire une longue finale. D'accord. Vent légèrement, enfin bien droite, mais très très léger. 120. Je freine tranquillement et c'est efficace. Oh. Voilà. Durée dégagée, on roule sur Tango Édité jusqu'à Sadilé au Pointé, on quitte la fréquence. Bon, voilà. Allez hop là, on va se la faire. Oh, tu peux même passer. Par là, comme ça là. Oh non, même directement par l'entrée habituelle et laisser de face, on va le rentrer. Vu que c'est le dernier vol. La ligne info de l'hélicoptère Fox Hotel Ombre Charlie 20 en provenance de Toussu. Actuellement Bombest pour une approche avant arrière 26 Charlie 20. Oui, tu peux le mettre en face. Voilà, on va se mettre pas dessus quand même non plus. Voilà, ici c'est bien. Comme ça. Symétrique. Donc on a coupé. Oui. Moi je pense à ça. Tiens, je reviens même ici. Voilà. Ah bah ça fait du bien et c'était bien agréable. Bah, c'était très bien. Ça va? Ouais. Pour une reprise, problème. C'est pas trop calamiteux. Non, c'est très bien. Un dernier conseil, quand tu fais des essais coupures, alors c'est le réflexe beaucoup de pilotes qui commencent à avoir de l'expérience, c'est de les faire le plus rapidement possible. Oui. Le problème c'est que tu ne sais pas sur quelle position le moteur commence à s'arrêter. Ouais. Tu vas tellement vite, tu fais left, right, off et tu reviens sur boost. Tu entends que le moteur commence à s'arrêter, mais tu sais pas sur quelle position. Et moi j'ai déjà eu le cas de moteur qui s'arrêtait en position right et pas en off. Ah d'accord. Donc faut essayer de le faire tranquillement left, right, off et ensuite tu reviens sur boost. D'accord, finalement c'est de donner le temps de. Ouais, exactement. Voilà. De décomposer. Et en fait, ça fait quoi finalement? On reste quoi, une demi-seconde, même pas une seconde? Oui, sur, c'est ça, à peine. Ce sera juste un poil moins rapide quoi. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Ça, c'est un petit conseil. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment commencer à sentir le moteur. Parce que moi, j'ai entendu, donc il baisse le régime, mais pas encore assez quoi. Là ça va, mais ce que je veux dire, c'est que tu l'entends qu'il commence à diminuer. Ouais. Mais vu que tu fais toutes les positions très vite, tu sais pas
pour quelle position il D'accord. commence à réduire. Ah oui. Donc il faut vérifier que ah, c'est oui. bien sur off que le oui, régime diminue. D'accord. Ouais, c'est juste ça, un petit conseil. Très bien, c'est noté. Bon, et ben. Hop, je te rends ça. Content d'avoir repris. Bah oui, c'est très bien. Et ben, on se revoit la semaine prochaine normalement. Oui, tu voudras faire Bah, donc, on avait des pannes en campagne. Des pannes en campagne, exercice donc le VSV. Oui. Je sais pas, enfin des bricoles de cet acabit-là. Ouais, pas de problème. Et puis. Prépare d'aller dans l'ATM à 5 Seine, au-dessus de Nangis, pour ouais. le VSV. D'accord. Comme ça, on est en espace aérien contrôlé. Ouais. Et, D'accord. Normalement, il y a un secteur d'information de vol, c'est un peu mieux pour faire. D'accord. Bon, ben, ça ferait une petite nave comme ça aussi en même temps. Enfin, oui, une petite oui, nave, un petit vol, voilà, d'éloignement. C'est exactement. Tranquillement. Dans ce secteur-là, c'est plus pratique. Très bien, on va faire comme ça alors. Voilà. Eh ben, merci Clément. Bon, ben, il n'y a pas de quoi. Je te laisse faire ranger l'avion tranquillement, le nettoyer. Ouais. Et on se retrouve à l'intérieur.